Monsieur Martin Fayulu-Madidi ne sera plus entendu ce lundi 6 mai 2019 comme initialement prévu. Nous en remercions. Pour la cotine d'Abakoli Nabino na Kinshasa, pena Congo Brazzaville, ma kambo ya ko tambola tambola na Bakoli na ba agence Cilié. Agence Colico, fret aérienne et maritime. Spécialité na bango, bakoya ko zwa biloko et si kanyo se zuilio na monde entier. Il suffit aux alana adresse. Aux alana France, ton amboka nyoso ya Europe, aux alana Canada, les États-Unis. En Amérique du Sud, aux Alana Russie, Asie. Il suffit aux Alana adresse, Bakoya ko tombo la colline ayo bango moko. Ata ezali ya muki et moins d'un kilo, Bakoya ko tombo la. Bon, on va y banson bazali na Union Européenne, fret aérien ezali na 9,50 € le kilo. Ce qui peut au ligne maritime, benga bango na ba numéro et komami na écran. Qui au lingi au mon abango, soit mina 18 place de Nymphéance, 93 420 Villepinte. Plus 33 6 27 32 94 30. Agence Colico, le série de sponsor officiel BM Hotel. BM Hotel à Kinshasa, ouvert 24 heures sur 24. BM Hotel vous offre un séjour de qualité, de chambres à tarifs abordables, une salle de fête, un espace de tente, un personnel à l'écoute de vos besoins. BM Hotel se situe sur l'avenue de la République numéro 3, référence Meizaf Bandal Sinkin, commune de Bandalungwa, Kinshasa, RDC. BM Hotel pour une nuit de qualité. Contactez BM Hotel au 0033 6 20 63 15 11 et au 00243 85 70 44 440 BM Hotel Bernadette Massé. Cette émission est sponsorisée par Papy Leroux. La Maison Stellman vous propose des prestations de qualité pour vos gâteaux de mariage, anniversaire ou autre événement. La Maison Stellman vous propose aussi des gâteaux personnalisés pour vos anniversaires ou autres. Contactez-nous au 06 63 30 36 83 ou encore au 07 81 83 15 74. Vous pouvez aussi nous contacter sur la page Facebook Stellman. Nationale congolaise. En date du 18 février 2019, Monsieur le procureur général près la Cour de cassation avait été saisi d'une lettre plainte numéro 051/JCN 2019 émanant de Monsieur Jean-Claude Ngoé Lufuluabo et consort contre Monsieur Martin Fayulu-Madidi pour des faits infractionnels portant incitation à la haine ethnique, massacre de Balouba, pillage, atteinte aux droits garantis, crimes de génocide et des crimes contre l'humanité. Dans sa correspondance datant du 25 avril 2019, portant le numéro 2719, Monsieur le procureur général près la Cour de cassation va instruire Monsieur le commissaire général adjoint de la police nationale congolaise chargé de la police judiciaire de mener des investigations et de lui faire rapport au sujet de la lettre plainte de Monsieur Jean-Claude Ngoé Lufuluabo contre Monsieur Martin Fayulu-Madidi. Une invitation de la coordination nationale et police judiciaire DPG numéro 0575/CNPG/2019 du 30 avril 2019 a été lancée à M. Martin Fayulu-Madidi à se présenter le lundi 6 mai 2019 à 10 h précises au cabinet de M.
monsieur le commissaire général adjoint de la police nationale congolaise en charge de la police judiciaire, situé dans l'enceinte du casier judiciaire, 6 avenue Calémé numéro 30, dans la commune de la Gombe, pour renseignements à fournir. Il s'est fait malheureusement que certaines personnes ont donné à cette invitation de la police un caractère politique qui avait risque d'exposer certains riverains habitant les environs de la coordination nationale pour le judiciaire. Nous avons notamment cité 4 écoles maternelles, une école primaire, une école secondaire consulaire, quelques résidences des diplomates, ainsi que des personnes morales et physiques privées. Pour éviter que la sérénité de la population ne soit rompue, des instructions précises viennent d'être données à la police judiciaire de décaler l'audition de M. Fayou Lomadidi matin pour une date ultérieure. Notification a été faite à son avocat conseil pour ce faire. En bref, M. Martin Fayou Lomadidi ne sera plus entendu ce lundi 6 mai 2019 comme initialement prévu. Nous en remercions.